Boker Tov, bonjour et bienvenue, Shana Tova, pour cette reprise au lendemain de Rosh Hashanah. Nous allons aujourd'hui essayer d'aborder un sujet d'actualité, puisqu'on est à quelques jours de Yom Kippour, on est la veille de Shabbat Tshuva, donc forcément qu'on va essayer de se pencher sur le sujet de la Tshuva, le travail du moment. La particularité de l'approche qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord voir dans quelle mesure on peut travailler, quel regard je vais porter sur ce Shabbat qui arrive, quel regard je porte sur la semaine qu'on va vivre de maintenant jusqu'à Yom Kippour, et quel regard porter sur Yom Kippour. Premier niveau, il y a deux niveaux dans Kippour, on l'a étudié Shabbat matin, on l'a fait, on a étudié ici il y a quelques années, jeudi matin, la particularité de Kippour qui se vit à deux niveaux. Il y a le Kippour basique, Teshuvah, il y a le Kippour plus, c'est le sujet essentiel de Yom Kippour. La puissance du Yom Kippour, ce n'est pas le sujet du jour. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout la partie Teshuvah, c'est-à-dire le Kippour au niveau, je vais appeler ça basique, premier niveau, Teshuvah, le même type de Teshuvah qu'on met en œuvre depuis le début, en particulier depuis Rosh Hashanah. On l'a entamé en vérité depuis le mois d'Elul, mais principalement de Rosh Hashanah à Kippour, on a ces fameux 10 jours de Teshuvah. C'est sur ce sujet que je voudrais m'arrêter. S'arrêter déjà sur se poser la question, comment fonctionne la Teshuvah? En théorie, ce n'est pas tout à fait logique. Ce n'est pas tout à fait compréhensible, ce n'est pas rationnel, j'ai fait une bêtise. Et le simple fait de dire « j'ai fauté », ah, ok, tu n'as plus fauté. La bêtise, elle a été faite. Les mots qu'on a prononcés, finalement, qu'est-ce qu'ils représentent? Mais surtout, je vais regarder la Teshuvah d'un point de vue bien plus grand, plus global, avec beaucoup plus de recul. La Teshuvah, c'est, on va toucher aujourd'hui à une des zones de la vie les plus compliquées à gérer. Pourquoi j'appelle ça une zone qui est compliquée à gérer? C'est généralement cette partie qu'on cherche à garder que pour soi. Vous savez, il y a, en fonction des événements que vous avez pu traverser dans l'année ou dans la vie, il y a des événements très légers qu'on va partager avec n'importe qui. Il y a des événements qui sont un peu plus lourds qu'on va partager avec son cercle d'amis restreint. Il y a des événements qui sont encore plus lourds qu'on va partager qu'avec ses amis intimes. Et il y a encore plus lourd, on va partager à peine avec sa femme. Et il y a des éléments sur des actions, des étapes dans ma vie desquelles je ne suis pas fier, et même avec ma femme. Quelque part, ça va rester un secret, presque, je vais souhaiter l'oublier, faire en sorte que moi-même, je ne m'en souvienne plus. Tellement que je ne suis pas à l'aise avec ce qui s'est passé. Chacun dans sa vie, chacun avec son échelle de valeur, de morale, pour un juif religieux, le jour où il a transgressé une interdiction grave, où il a manqué de mettre ses téfilines alors qu'il aimait tous les jours, le jour où il a mangé un aliment qui, pour lui, est véritablement non cachère, il n'en revient pas qu'il ait pu faire une chose pareille. Il essaye d'oublier, il fait comme si ça ne s'était jamais produit. Et c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, c'est d'autant plus lourd que vous avez probablement dû déjà entendre cette phrase qui est attribuée au rabbi de Kotsk, mais qu'on répète de manière régulière quand on parle des fautes, quand on parle de l'amertume qui accompagne les fautes, des remords, etc. Le Yetzer Hara n'attend pas que l'on faute. La faute pour lui, ce n'est pas la victoire. Puisque finalement, je fais une faute et alors, après, je fais une bonne mitzvah et puis voilà, il n'y aura qu'une faute au compteur. Ce qu'il attend plus que la faute, c'est l'heure ou le moment d'après la faute, le moment de tristesse, le moment de remords, de tristesse, le moment où je suis abattu. C'est ce moment qui fait que je vais me dégonfler et je vais faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de bêtises finalement, que si j'étais fort en sortant, si je n'étais pas passé par ce moment d'énergie négative, d'émotion négative, lorsque je sors de cette mauvaise conscience que j'ai après la faute. Donc, on va essayer de voir, la Teshuvah répare cela aussi finalement. La Teshuvah va me permettre de dire, c'est vrai que tu as fait quelque chose de grave, tu as fait une bêtise, tu as fait une faute et tu fais ce bilan de l'année et tu peux te trouver peut-être abattu parce que combien de fois tu as loupé l'échéance, combien de fois tu avais souhaité puis finalement tu ne l'as pas fait. Mais Dieu nous a inventé un concept, nous a proposé quelque chose qui va nous permettre de dépasser ce moment-là. On veut essayer de comprendre comment ça fonctionne, on veut essayer de comprendre les incohérences autour de ce sujet, mais c'est surtout combien est-ce que c'est central dans ma vie parce que ça me permettrait justement de ne pas avoir à porter ces fameux secrets, ne pas avoir à enfouir et étouffer cette zone que je ne peux pas regarder, mais dire je vais la regarder en face, je vais récupérer cette zone et je vais voir comment est-ce que je peux réparer et pouvoir l'affronter et réparer. On va voir aujourd'hui que c'est plus que réparer, avec cette fameuse phrase du Talmud qui est dans le traité Yoma, justement le traité qui parle de Yom Kippour et de la Teshuvah, cette phrase qui est cette révolution du judaïsme, Resh Lakish qui va nous dire
il y a un niveau de teshuva, il y a deux niveaux de teshuva. Il y a un niveau où ma faute qui avait été réalisée avec intention devient considérée et considérée comme si je l'avais réalisée sans l'intention. Ça reste une ce qu'on appelle shegaga, une faute par inadvertance, sans avoir l'intention de fauter. Et il y a un autre niveau de teshuva encore plus élevé où la faute qui avait été réalisée avec l'intention de fauter est considérée comme un mérite, comme une action positive. Et forcément, ça paraît particulièrement difficile de comprendre comment est-ce qu'une faute réalisé avec l'intention de fauter, lorsqu'on arrive au moment du bilan, est considéré comme une mitzvah. Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Comment est-ce que la faute, qu'on veuille dire, bon, allez, on efface la faute, on oublie la faute, c'est une chose. Mais même ça, c'est difficile à comprendre. Mais on peut le comprendre, enfin, on peut l'admettre. À un moment donné, je passe sur ce qui s'est passé. Mais comment comprendre que l'énergie investie dans la faute soit considérée au bilan, si on peut dire, comme une action positive? C'est d'autant plus difficile et c'est un peu le sujet du jour. Alors, dans le texte que je ne vous ai pas photocopié aujourd'hui, enfin, en tout cas, pas assez. Non, je n'ai pas. Je vais essayer rapidement, encore une fois, ce sera un cours peut-être un peu plus court. On va essayer de reprendre rapidement les idées autour de ce thème, autour de la Teshuva. Les derniers moments de la vie de Moshe Rabbeinu, parachat Nitzavim, la parachat de la semaine dernière, qui habituellement est lu avec la parachat de cette semaine, Nitzavim, Vayeler sont très régulièrement lus ensemble. Nitzavim, ça paraît par achat de la semaine dernière, c'est les derniers moments de la vie de Moshe où il va nous révéler cette opportunité qui s'appelle la Teshuvah. Les versets qui disent « Lorsque tu auras malheureusement traversé des moments négatifs, etc., etc., mais finalement, va chez Vota et Levavecha, tu vas finalement, même étant éparpillé, étant en exil, tu vas te rappeler, tu vas prendre conscience, tu vas te rapprocher de Dieu. Veshavta d'Hashem Elokecha, tu retourneras vers Dieu. Veshav Hashem Elokecha et Shivotecha, Dieu te ramènera. Veshav Ekibetzra, Veata Tashuv. On a 14 versets qui parlent de Teshuvah dans cette paracha qui justement reprend, que Moshe présente, pardon, dans les derniers instants de sa vie. Et le Maïmonide va nous dire, Réalidame Adam Baal Tshuva Shumou Khatmi Madata Tzadikim. Attention, ne crois pas simplement qu'on est un peu comme. Le premier niveau de Teshuvah, je vais dire, c'est Dieu qui tourne la page, Dieu qui dit, bon, ce qui s'est passé, je regarde devant. Mais c'est plus que ça. Mais ne crois pas, ne considère pas que celui qui a fauté est loin du tzadik qui n'a pas fauté, loin dans le sens inférieur, mais ça n'est pas ça. Il est aimé, il est cher aux yeux du Créateur, comme s'il n'avait pas fauté. Donc ne considère pas qu'il soit plus loin, qu'il soit à un niveau inférieur, il est à un niveau au moins aussi important. Donc on voit que la Teshuvah, ça c'est pas juste, c'est pas simplement je tourne la page et j'oublie ce qui s'est passé, mais je dis dorénavant, mais c'est j'oublie ce qui s'est passé, premier niveau. Mais ça va même plus loin. Amar Resh Lakish, Yoma, page 86b, Resh Lakish nous dit, on connaît le parcours de Resh Lakish, Resh Lakish était lui-même un homme qui, avant d'être le grand maître, Resh Lakish était un bandit qui va faire Teshuvah. Donc, il est d'une certaine manière, il sait de quoi il parle, si on peut dire. Mais en tout cas, il en parle. Il exprime cette approche exceptionnelle de la Teshuvah. Il dit, « Gedola Teshuvah, Zedonot nasot lo kishgagot. » Premier niveau de Teshuvah, Zedonot, les fautes faites avec intention, sont considérées comme shegagot, des fautes faites sans intention. Mais ça ne va pas que là, ça va plus loin. La Gemara continue. Je continue. Zedonot, Teshuvah chez Zedonot Nasilot Kizriot. Il y a une autre citation où ça va même au-delà, c'est considéré comme si tu avais fait une mitzvah, une action positive. Et il répond, quand on apporte la contradiction entre ces deux textes de Resh Lakish, Lokashia, il y a deux types de Teshuvah. Il y a une Teshuvah qui est faite par crainte, il y a une Teshuvah qui est faite par amour. Lorsque c'est fait par crainte, j'ai pris conscience de ce que j'ai fait, je veux réparer, ben, dorénavant on efface, on considère que ce n'est pas des fautes avec intention, mais c'est des fautes sans intention. Lorsque c'est fait par amour, à ce moment-là, on va considérer que les fautes faites avec intention sont considérées comme des actions positives. Et forcément, encore une fois, c'est une question qui est posée par presque tous les commentateurs, en tout cas, peu importe la position géographique, les maîtres, les textes que j'ai sous les yeux, les citations de ces maîtres vont s'interroger sur la logique derrière la Teshuvah. Comment est-ce qu'on peut comprendre que le simple fait de dire Al-Khet, attention, Dieu, pardon, j'ai fauté, j'ai fait cette faute, comment est-ce que le simple fait de dire j'ai fait une faute, ça me permet d'effacer la faute? Surtout si c'est une faute que j'ai faite à plusieurs reprises. Donc j'ai fait, pendant un an, j'ai fait des bêtises, pendant 10 ans, pendant 20 ans, le simple fait d'énumérer, de lister la faute, ça me permet de l'effacer.
Je vous reprends un des textes du Rav Yosef Elbo, un maître d'Espagne, qui dit « Tu détruis une maison. Pour la reconstruire, ce n'est pas avec des mots. Il faut la reconstruire, il faut agir. Tu as fait une faute, tu as commis réalisé une action négative. Pour réparer, il faut s'engager dans une action. Ce n'est pas simplement le fait de dire des mots, pardon, ou alors je regrette, ça ne suffit pas. Comment est-ce que tu répares l'impact de l'action négative qui a été réalisée ? Le Maharam Ben Khabib, un autre commentateur, va dire, comment est-ce qu'on peut comprendre le deuxième niveau, qu'une action négative soit considérée comme une action positive ? Je fais teshuva, pas simplement on efface la faute, mais on considère cette faute comme si c'était une action positive, une mitzvah. Et donc voilà l'interrogation, voilà le thème qui est lancé aujourd'hui. Donc on a deux interrogations sur le principe de la teshuva en exprimant des mots, la réparation en disant, en prononçant des mots, comment est-ce possible ? Comment est-ce que ça peut être cohérent ? Et le deuxième élément qui est beaucoup plus difficile, comment est-ce possible de transformer une action négative en action positive ? Comment est-ce que la teshuva peut procéder à cette transformation qui, encore une fois, a priori a l'air d'être irrationnelle ? Et c'est ce point sur lequel on va s'arrêter, avec deux approches, comme d'habitude. Donc je disais, à l'approche de Shabbat Shuvah, dans cette période de teshuva, essayer de voir, essayer d'affronter son passé ou le bilan de cette année lorsqu'il y a des moments, des zones plus ou moins difficiles, comment est-ce que je peux les regarder pour avancer dans ce chemin de la teshuva. Alors, je vais commencer par le Maharam Ben Khaviv, celui qui posait la question il y a quelques instants sur le mécanisme de la teshuva. Il va donner cette réponse, je vais appeler ça le premier niveau de réponse. Le premier niveau de réponse est le suivant. Je vais vous donner une de ces illustrations. L'illustration qu'il va donner ou qui va être apportée, c'est un peu le mérite que possède celui qui va faire une mitzvah alors qu'il a goûté à la faute, qui est plus important que le mérite de celui qui va faire une mitzvah alors qu'il n'a jamais goûté à autre chose. L'exemple qui est donné, c'est ce roi qui avait trois pots de miel de très grande valeur avec un goût extraordinaire. Il va les donner à ses meilleurs amis pour les lui garder le temps qu'il s'absente et qu'il puisse revenir. Et des gens fidèles, des gens à qui il a confiance, au retour de son voyage, il pose la question aux trois, alors vous pouvez me restituer ces tonneaux de miel. Et le premier lui dit, écoute, je suis désolé, je l'ai craqué, je l'ai mangé, il n'y a plus de miel. Le deuxième lui dit, voilà, tiens, il est là, le tonneau n'a pas été touché, le miel est intact, je n'ai pas touché. Le troisième lui dit, j'ai ouvert, j'ai goûté et je n'ai pas touché, j'ai laissé. Pour lequel le roi a le plus d'admiration. Dans un sens, celui qui a goûté et qui finalement n'a pas touché a plus de mérite que celui qui n'a pas touché. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as goûté et que tu as vu ce que ça représente comme plaisir, que tu connais la valeur et que malgré tout tu ne touches pas, c'est un dévouement, c'est un investissement beaucoup plus grand. Donc, premier niveau de compréhension de la teshuva, c'est que celui qui a goûté à la faute, celui qui s'est égaré, qui est parti dans le mauvais chemin, et qui malgré tout aujourd'hui revient et fait les mitzvot, il a dans ce sens des mitzvot qui ont plus de mérite. Première traduction, voilà comment fonctionne la teshuva. Il a goûté à l'autre côté et il revient, il a plus de mérite à son action. Mais encore une fois, ça reste limité, il y a plus à voir parce que dans le texte, ce n'est pas précis ce que je viens de dire. Le texte dit autre chose, le texte dit la faute devient mitzvah, alors que ce que je viens de dire, c'est par le mérite de la faute, tu as plus de mérite dans ta mitzvah. Ce qui n'est pas authentique, ce qui n'est pas précis en tout cas par rapport au texte, dans les mots du Maharam, Kvar Garma, des frichazo, shaasa, hizrut gadol. C'est la faute qui va déclencher le mérite supplémentaire dans la bonne action parce que justement il a goûté à autre chose avant de s'engager dans la mitzvah. Mais je répète, ça reste insuffisant a priori du moins. Donc je voudrais aller un peu plus loin aujourd'hui, mais juste avant d'aller un peu plus loin, reprendre avec vous. Cette année peut-être, ou cette, dans l'actualité du moment, vous savez comment est-ce qu'on aime s'inspirer de l'actualité et tirer un enseignement, enfin tirer, en tout cas voir un message pour nous. Malheureusement, Israël vit une actualité un peu difficile, ou en tout cas avant la fête, je n'ai pas pris les informations de ces dernières heures ou derniers jours, c'était les informations d'avant la fête, où il y a ces prisonniers, ces terroristes qui se sont évadés de prison en Israël. Et c'est marrant, c'est pas marrant parce que bien évidemment que c'est douloureux et on espère qu'à l'heure où on parle, ils ont déjà été rattrapés, je sais pas, en tout cas quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on prie pour ça,
On prie pour que ce soit le cas, au plus vite, que personne ne soit mis en danger. Mais il y a un des exemples, une des paraboles qui est donnée sur cette période qu'on vit et sur l'approche de la Teshuvah. L'exemple qui est donné, vous allez voir que c'est très étroit avec cette réalité, c'est ce roi qui, dans son village, il y avait un groupe de bandits qui terrorisaient les environs. Systématiquement, lorsque quelqu'un partait dans la forêt à proximité de la ville avec un peu de moyens, il se faisait dépouiller systématiquement. Et puis, ça devenait un vrai sujet. Et le roi demande à ce qu'on mette tous les moyens pour attraper ces bandits. Il va prendre ses unités d'élite. Ils vont envisager une opération massive. Ils vont se cacher un peu partout pour attendre, pour aller chercher les bandits. Donc, ils vont faire sortir à la tombée de la nuit l'homme le plus riche du village avec son carrosse bien, bien, bien chargé de diamants, etc. Et puis, boum, on a les bandits qui voient le carrosse arriver, qui se mettent directement à lui tomber dessus. Et puis, à cet instant, l'unité d'élite qui était dans le coin arrive et enfin arrive à capturer, à attraper cette bande de voyous, cette bande de bandits. Et donc, le roi est content. Enfin, on s'est débarrassé. La tranquillité, le calme va revenir dans le pays. Il demande à les mettre dans une prison hautement sécurisée, totalement à l'écart de la ville, presque sur une île, de manière à ce qu'ils ne puissent absolument pas se sauver. Et bien évidemment que cette bande de bandits n'allait pas rester au repos. Et donc, ils sont en prison. Ils vont réussir à se débrouiller, à soudoyer un des gardes, récupérer une, deux, trois pelles, commencer à creuser un tunnel, organiser un plan d'évasion. Et puis finalement, ils vont réussir à s'évader. À un moment donné, le plan arrive à échéance. Un soir bien précis, ils ont payé quelqu'un qui leur envoie et qui leur dépose une barque à la sortie de leur tunnel. Et puis, ils sont cinq bandits. Le soir, le moment où ils sont censés partir, quatre sur cinq sont prêts à partir, rentrent dans le tunnel et le cinquième explique aux quatre, il dit mais c'est bête, mais vous êtes fous, on va sortir, à quoi bon, on va se faire rattraper derrière. On avait 20 ans à purger, finalement on va se retrouver rattrapé, on va passer notre vie dans le trou. C'est pas la peine, ne partez pas, moi je reste en tout cas. Les gars le regardent, ils disent, mais t'es complètement fou, t'as la liberté au bout du tunnel, tu vas rester dans le trou. Et ils s'en vont, au revoir. Le lendemain matin, les gardes arrivent, ils n'arrivent pas à croire ce qui se passe. Cette prison de la plus haute sécurité, ils ont réussi à s'évader, mais c'est une île, il n'y a que de l'eau autour. Et on s'aperçoit qu'ils sont loin, qu'on ne sait pas où ils sont. Le roi apprend ce qui s'est passé, il est totalement choqué, c'est impossible, comment est-ce qu'ils ont fait? Il dit, je veux le voir de mes yeux. Il arrive dans cette prison, il entre dans le cachot, dans la cellule, il voit le cinquième qui est là, il entre dans le trou, il va dans le tunnel, il veut toucher, il veut voir comment ils ont fait, et puis il regarde effectivement un tunnel qui mène vers la liberté, et puis il imagine la barque qui était à côté. Il se dit, mais c'est incroyable. Et il se tourne vers le cinquième et lui dit, dis-moi, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que tu fais là? Tu avais la porte, tu avais le tunnel, tu avais le moyen de sortir. Mais comment tu as pu rester ici? Et cette image, c'est la parabole qui est donnée sur le principe de la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu nous dit, je t'offre l'opportunité, tu as la possibilité, il y a une période propice, celle-ci, celle dans laquelle on est. Je t'ai offert ce joker, je t'ai offert la Teshuvah. Comment, pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi, prends-toi en main, vas-y. Donc cette idée, ce dont on parle, le thème du cours d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une étude, j'ai envie de dire, philosophique, théorique, essayer de s'arrêter sur ce que représente la Teshuvah, etc. C'est véritablement une invitation à l'action, se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre, ne pas laisser passer l'opportunité, comment fonctionne cette Teshuvah, comment elle s'actionne, et comment je vais pouvoir avoir la possibilité de changer de vie, malgré la vie qui est la mienne finalement, le passé, tout ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui s'actionne avec cette baguette magique, avec ce mécanisme de la Teshuvah. Donc, on a vu la première explication, donner plus de valeur à la mitzvah qui vient après parce que j'ai goûté à la faute avant, mais on a vu que ça restait une approche limitée car lorsqu'on prend le texte a l'air d'aller plus loin, le texte nous dit que la faute est considérée comme un mérite. Ça voudrait dire, pour illustrer un peu, pour être un peu concret, le bonhomme qui entre chez lui à la maison, qui a décidé de manger kasher, et un jour, ne me posez pas la question, il est épuisé, une journée difficile, il est tard, il a faim, il n'y a plus rien à manger, il sort comme une machine, vous savez, parfois on contrôle un peu moins ses actions. Il va au McDo, il n'a jamais mangé de cheeseburger. Il se prend au McDo, alors qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. Il le mange, il finit. Le lendemain matin, il prend conscience, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Il a agi sur la pulsion quelque part. Et il fait teshuva. Il appelle son bureau.
Aujourd'hui, désolé, je me prends une journée. Il passe une journée de teshuva. Études, prières, tzedaka. Il répare, il demande pardon, etc. Il fait une teshuva intense. À 120 ans, on va au bout de sa vie. Il arrive devant le tribunal céleste. On fait le bilan de ses actions. Imaginez, on arrive à 50-50. On ne sait pas trop quoi faire. Il a fait 50 mitzvot, 50% de bonnes actions. 50... Et puis là, il y a un ange qui arrive et qui apporte le burger. Celui où il y a encore l'étiquette McDo dessus, avec le fromage qui coule sur la viande de pas tout à fait cachère. Et il dit, ah, on met sur la balance du côté des bonnes actions. Et il l'emporte du côté des bonnes actions. Il va au Kodou Galilée. Comment est-ce possible? Ce burger, c'est l'objet du crime. Comment est-ce que tu peux te retrouver à considérer que ce soit ça la mitzvah? Or, c'est les mots qui sont utilisés. La teshuva est grande car elle est capable de prendre la faute faite de manière intentionnelle et la transformer en mérite, en action positive. Je veux bien, encore une fois, tourner la page, je peux le comprendre quoique, comment des mots peuvent réparer des actions, mais transformer l'action négative en positive, ça reste un élément qui nous manque. Et comme on l'a dit dans l'introduction du cours, combien est-ce que c'est important de comprendre ce passage, de l'avoir en poche, de l'avoir avec soi? Parce que ça nous permet de nous débarrasser de ce poids, de ces secrets, de ces zones qu'on a du mal à revisiter. Vous savez, je disais souvent, il y a quelques années, quand on parlait de cette période de l'année, je disais, à Tachlir, on va jeter ses fautes à l'eau. Et je ne sais plus, je disais à Kippour ou à Soukhot, on va récupérer les fautes de l'eau. On va s'en servir, une fois qu'on a fait Teshuva, on va récupérer ces fautes. On va pas les jeter, on veut les garder parce que ces fautes, quelque part, ont une dimension positive. Lesquelles? Quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, si quelqu'un a une montre, Mathieu, c'est une montre que j'ai toujours le problème de... Hein? 40, super. Si je peux l'avoir à côté, c'est encore mieux. Merci. Ah, vous êtes embêté. Alors, on va avancer sur cette nouvelle approche. Cette nouvelle, en tout cas, cette approche qu'on va reprendre, du moins, pour aborder Shabbat, pour aborder la journée, pour aborder Yom Kippour de manière différente. Encore une fois, ceux qui sont dans le coin, on a commencé Shabbat matin, avant la tefila, à 9h, le Shabbat dernier, une étude qui reprend Rosh Hashanah Kippour à deux niveaux. Rosh Hashanah, le sujet essentiel, la dimension extraordinaire spécifique à Rosh Hashanah, puis ensuite la dimension classique de Teshuvah depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Aujourd'hui, on parle justement de cette Teshuvah. Et Shabbat matin, si Dieu veut, à 9h, avant la prière, on aura l'occasion de reprendre la deuxième partie, le sujet spécifique de Yom Kippour. Maintenant, aujourd'hui, donc, le sujet du jour, c'est la Teshuvah. Qu'est-ce qui s'opère dans la Teshuvah? Comment regarder son passé ou comment regarder ses zones? Vous savez, il y a, dans les correspondances du Rabbi, dans les cours du jeudi de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, on a eu l'occasion de s'arrêter sur certaines correspondances de personnes qui écrivaient au Rabbi comment faire pour réparer. Donnez-moi le tikkun. Existe-t-il une solution, une Teshuvah pour une faute que j'ai réalisée, dont l'action, dont les conséquences de la faute ne sont plus sous contrôle? Il y a des fautes où ça ne laisse pas d'impact. Il y a une faute spirituelle qui a été faite. J'ai manqué de mettre les téfilines. Bon, c'est grave. Enfin, ça peut être, on peut le vivre effectivement comme un manquement irréparable. Mais il y a de l'autre côté, lorsque j'ai réalisé une faute, en l'occurrence, l'exemple qu'on citait, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, quelques années, c'était cette femme qui écrivait au rabbi, « Je cherche un tikkun, je suis triste. » Elle écrivait qu'elle était triste parce qu'elle avait eu un de ses enfants ou son enfant avant d'être religieuse, et dans sa vie d'avant, elle n'attribuait pas d'importance à la pureté familiale, aux règles qui régissent justement l'organisation du couple dans sa vie intime. Et finalement, cet enfant, mon enfant, est né en étant dans une relation qui n'était pas dans le cadre halakhique idéal. Aujourd'hui, elle était triste en se disant « je ne peux plus réparer, c'est fini ». Ou alors quelqu'un qui malheureusement va se retrouver dans une relation interdite, et un enfant qui naît de cette relation avec une personne qui était inadaptée, peu importe dans quel contexte, l'enfant est né, il est vivant. Je peux me dire, je vais faire comme si, je vais demander pardon, que la faute n'existe pas, mais quelque part, j'ai la conséquence concrète. Est-il possible de réparer quand maintenant, la conséquence de ce que j'ai fait est totalement autonome et indépendante, déconnectée de mon pouvoir? J'ai a priori plus rien faire. La réponse du rabbi est je vais dire, violente. C'est pas le mot, mais en tout cas, elle est puissante, puisqu'elle va dire, elle va lui dire dans un premier temps, dans le début de la lettre, je ne vois pas comment est-ce que vous imaginez réparer un manquement en ajoutant un autre, celui d'être triste.
comment est-ce que vous imaginez que la tristesse peut constituer une forme de réparation? C'est forcément pas le chemin. Après, il donne un chemin, on va en parler. C'est justement le principe de la Teshuvah qu'on aborde aujourd'hui. Alors, traduction de Teshuvah, pour commencer, on va essayer de relire le mot Teshuvah. Teshuvah est la différence de Charata. Charata, repentir, c'est habituellement le mot utilisé, la repentance, dans le langage commun hors Torah. Le principe de la Charata, du regret, du repenti, c'est l'individu qui vient et qui dit « Vous m'avez attrapé, je regrette. » Au fond, moi, je suis content de ce que j'ai fait hier, en vrai. Je regrette, c'est-à-dire, maintenant que j'ai vu, maintenant que je me suis fait attraper, je paye l'amende et je ne recommence plus. Teshuvah, c'est un peu autre chose. La particularité de la Teshuvah, c'est que dans la première approche, celle d'avant, vous allez rarement voir quelqu'un se pointer au poste de police et dire « Désolé, hier, j'ai franchi une ligne blanche et je voudrais me faire attraper ou exprimer, me confesser. » Généralement, non. Généralement, quand on se fait attraper, on accepte, on veut bien accepter que c'était une bêtise et qu'on ne reprendra plus. Mais au moment où je l'ai fait, le point principal qui me dérangeait, ce n'était pas de l'avoir fait, c'est de m'être fait prendre en plein et surtout imposer la sanction. Teshuvah, c'est autre chose. Et c'est ce à quoi on assiste cette semaine. Et c'est assez intéressant. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir hier pendant Rosh Hashanah. On aura l'occasion de voir Shabbat, probablement encore plus à Kippour. C'est voir des personnes qui vont venir à la synagogue. On ne leur a pas demandé de venir. Et vont dire à Dieu, Teshuvah. Maintenant, toute l'année, ces personnes ont fait ce qu'elles voulaient, sans trop se poser de questions. Ça correspondait à leur manière de vivre. Ayom Kippour Teshuvah. Teshuvah, c'est je vais de moi-même dire à Dieu. Alors voilà la traduction différente qu'on va essayer de donner à ce mot Teshuvah. Teshuvah, c'est surtout, dans un premier temps, avant de continuer, une autre grille de lecture, une autre manière de relire le passé. C'est-à-dire, mardi, je faute, je m'engage dans une action négative. Mercredi ou jeudi, je prends conscience du gâchis que cela représentait. Je prends conscience que ce n'était pas la voie qui était la bonne pour moi. Et à ce moment-là, je m'élève, si on peut dire, au niveau de ma conscience, et je me dis, si seulement hier j'avais cette conscience, cette perception des choses, Dieu, je t'assure que je n'aurais pas fait. Je regrette, qu'est-ce que je regrette au moment où je fais Teshuvah ? Ce qui s'exprime, c'est, hier, ce n'était pas moi. Hier, je me suis laissé emporter. Hier, j'ai été entraîné. Alors peut-être par personne d'autre que par moi, mais par un autre moi, pas par le vrai moi. Je viens de découvrir mon vrai moi aujourd'hui. C'est le fond de la Teshuvah. Je relis l'événement d'hier, en termes de lecture, pas relis. Je donne une nouvelle lecture, je lis différemment ce que j'ai fait hier. Hier, j'avais l'impression d'être pleinement moi dans cette action, c'était moi. Aujourd'hui, à la lumière de ce que je viens de découvrir, d'étudier, ou de la prise de conscience que j'ai eue, ou de l'événement qui a fait, c'est ce qui se produit en moi, c'est je t'assure, Hachem, je te demande pardon, je fais Teshuvah. Ce qui s'est passé hier, je ne voulais pas être là-dedans. Aujourd'hui, du moins, je prends conscience que hier, je me suis laissé aller, mais je me suis laissé emporter. Rappelez-vous ce texte qu'on a abordé combien de fois dans le passé quand on parle de Teshuvah, le point de départ de la Teshuvah, une des racines fortes dans le traité Sota, dans la manière dont la Torah parle de la Sota, la femme qui a un comportement inadapté, complètement opposé à la morale et particulièrement bas ou en tout cas éloigné du minimum de morale. Dans la manière dont la Torah raconte cette histoire, elle parle d'une femme qui tistée, qui se dévie de la voie de la raison, tistée de la voie de la morale, mais tistée, c'est écrit avec un signe qui fait référence à la folie. Et la Gemara va dire, n'importe quel individu, lorsqu'il faute, attention, je ne suis pas là pour déculpabiliser, quand même prise de conscience malgré tout, mais bon, la culpabilité ne construit pas grand-chose. Mais en tout cas, n'importe quel individu, lorsqu'il faute, dans l'absolu, il n'aurait pas fauté. S'il faute, c'est parce qu'il a été frappé par un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? Ça ne déresponsabilise pas. Ce vent de folie, ça veut dire, lorsque je fais Teshuvah, je prends conscience que hier, ce n'était pas vraiment moi. Je me suis trompé sur mon compte. Je ne me considérais pas à la hauteur, pas avec la bonne définition de celui que j'étais. Aujourd'hui, je prends conscience que, et maintenant je me dis, hier, j'aurais jamais dû faire ça, ce n'était pas moi. Si seulement j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui, je ne me serais jamais engagé là-dedans. Ce n'est pas pour moi.
premier niveau de teshuva, dans la deuxième explication d'aujourd'hui, je donne une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation à ce qui s'est passé hier. À ce stade, qu'est-ce que j'ai fait, le premier niveau de teshuva? J'ai permis à la faute de ne plus être une faute. C'est plus moi qui l'a fait. Pas c'est pas moi dans le sens j'enlève la responsabilité. C'est j'ai pris conscience aujourd'hui à travers cet effort de teshuva de qui j'étais vraiment. Et je peux affirmer haut et fort que moi, hier, je ne l'aurais pas fait. Alors que sur le feu rouge ou la ligne blanche, moi, hier, je l'aurais fait si seulement il n'y avait pas de policier à côté. Voilà la différence. Voilà le premier niveau de teshuva. Je prends conscience de qui je suis. Je prends conscience que moi, hier, dans cet état-là, dans cette action, ce n'était pas adapté. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai commencé ma première étape de teshuva. Mais le texte va beaucoup plus loin. Et c'est, je pense, une révolution. En tout cas, c'est un énorme coup de pouce, cette deuxième étape dans la teshuva. C'est toujours dans cette notion de relecture de l'événement, mais c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Je lis différemment ce qui s'est passé hier. Et je me dis, aujourd'hui, je vais me lever et je vais agir différemment grâce au burger d'hier, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Je reprends mon histoire de tout à l'heure, le gars qui est parti manger au McDo. Il sort du McDo et il a cette prise de conscience, ce réveil qui l'emmène vers une teshuva. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son livre, il étudie. Il ouvre son livre, il prie. Il s'investit dans la Torah. Cet investissement nouveau qu'il fait, c'est un investissement qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas juste avant mangé, s'il n'avait pas été au McDo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà le principe le plus puissant de la teshuva. C'est redéfinir le passé. Parce qu'en vrai, la vraie question, je ne l'ai pas illustrée de cette manière, mais maintenant je reviens un instant sur la question, c'est le passé est normalement l'élément sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. Par définition, le passé est passé. La teshuva est en train de nous dire, non, tu as encore la main sur le passé. Mais c'est passé normalement. Justement, le passé, il n'y a plus, j'ai plus la main. Voilà comment s'opère la teshuva. Je reprends la main sur le passé, je vais à Tachlir, je vais au fleuve, je vais récupérer dans l'eau mes fautes. Comment je reprends la main? En redéfinissant les conséquences de cet acte. Hier, j'ai fait une bêtise. Si je laisse simplement la bêtise, hier, c'était une bêtise. Si aujourd'hui, je me dis, puisqu'hier, j'ai fait cela, aujourd'hui, ça déclenche chez moi une motivation nouvelle à réparer, à faire des choses bien que je n'aurais jamais fait sans ce passé. Le passé n'était pas un éloignement, n'était pas une bêtise, mais il était le point de départ de l'action positive d'aujourd'hui. Il fait partie des préparatifs à la mitzvah d'aujourd'hui. Et dans ce sens, j'ai redéfini l'instant du passé. C'est plus une avéra, c'est une mitzvah. Donc quand on arrive au moment du bilan, encore une fois, l'objectif, c'est pas le bilan, mais quand on arrive au moment du bilan, pour reprendre mon illustration de tout à l'heure, oui, on va apporter ce burger, ce McDo, on va le poser dans la balance du côté mitzvot. Pourquoi du côté mitzvot? Parce que la conséquence de ce burger avalé, c'est 10 heures de mitzvot, c'est 10 ans de mitzvot, c'est tout ce que j'ai déclenché, tout ce que j'ai enclenché, pardon, à la suite de cette action-là. Et dans ce sens, je redéfinis. Je n'ai pas peur dans le sens de ce qui s'est passé. Je récupère cet instant en lui donnant une nouvelle définition. Je veux juste ajouter cette phrase que je trouve extraordinaire. C'est prendre conscience que la teshuva, c'est prendre conscience que sur Terre, malheureusement, on ne grandit pas sans tomber. On n'apprend pas sans se tromper. Et j'ai trouvé ça, malheureusement, combien de fois c'est vrai. On n'apprend pas la valeur de sa famille, pas suffisamment, avant d'être à deux doigts de la perdre. Quand on est capable, et combien de fois on voit ça au quotidien, c'est terrible. Ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, mince, si seulement il l'avait capté, l'un ou les deux l'avaient capté avant, avaient anticipé, avaient eu cet élément dans leur conscience, avant d'en arriver là où ils en sont arrivés, c'est maintenant, mais maintenant c'est tellement difficile. Ou alors, une de ces autres illustrations que je donne aussi très souvent dans les cours avant le mariage, c'est prendre conscience qu'une dispute ou qu'un moment difficile dans le couple, c'est parfois l'élément qui va permettre le rapprochement qu'on n'aurait jamais eu sans ce moment difficile. C'est ça le principe de la teshuva. C'est regarder, revoir le moment où effectivement j'étais dans le mauvais chemin. Si je suis capable de me lever ce matin et de dire ce qui s'est passé hier, ce n'était pas m'éloigner dans le mauvais chemin. L'illustration, avant de passer à la question, l'illustration du 7e chapitre du Tanya que je reprends aussi régulièrement dans d'autres cours, dans Tanya, et quand on parle de teshuva, c'est un classique. L'image qu'on a vue probablement l'année dernière, c'est ces deux personnes qui sont en train de boire, si vous vous souvenez. Il y a une personne qui est partie en balade un lundi. Elle s'est perdue dans la forêt.
ça fait 2 jours, 3 jours qu'elle est dans la forêt. Elle avait une gourde, une bouteille, 2 bouteilles d'eau. Il n'y a plus rien. Et donc, elle revient de cette forêt. Elle a enfin trouvé le chemin pour sortir de la forêt. Et elle est devant une fontaine en ville. Et la personne va se mettre à boire. Ça fait 3 jours ou presque qu'elle tient sans boire, avec les dernières gouttes. Hein? Et vous avez à côté 2 personnes toujours à la même fontaine. La deuxième personne était chez elle à la maison il y a 10 minutes. C'est une journée où il fait chaud. Elle avait bu tranquillement comme il fallait, dans la clim et tout, il faisait frais. Il vient de sortir de chez lui. Et puis bon, il a pris 5 minutes de soleil. Il voit une fontaine, il va boire. Les 2 personnes qui sont en train de boire ne font pas la même chose. Ils sont physiquement, matériellement, les 2 devant l'eau de source qui tombe de la fontaine et chacun boit ou boit dans son verre ou peu importe. Mais il y en a un qui sirote, il y en a un qui dévore la fontaine. Et c'est ce qu'on va s'apercevoir, ce dont on va s'apercevoir lorsqu'on parle de quelqu'un qui fait teshuvah. Quelqu'un qui fait teshuvah, quand vous entrez dans une synagogue et vous voyez quelqu'un qui prie de manière très simple, c'est quelqu'un qui a toujours été religieux. Lorsque vous voyez quelqu'un qui prie avec une intensité, une concentration, il vit sa prière, il est passionné par sa prière, il s'investit dans sa prière, il dévore sa prière, c'est probablement quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de beaucoup prier jusque-là. Qu'est-ce qui fait qu'il dévore, qu'il s'investisse tellement dans sa mitzvah? C'est chaque, paradoxalement, c'est chaque pas qu'il a éloigné de sa prière. C'est chaque pas, pour reprendre mon image de la forêt, chaque pas qu'il l'enfonçait dans la forêt, qu'il l'éloignait de la source d'eau, ce sont des pas qui aujourd'hui lui permettent de dévorer encore plus la source. Le paradoxe, c'est que chaque élément qui m'a éloigné, je suis capable de le transformer. C'est cette histoire de teshuvah au niveau le plus élevé, mais ahava. J'ai déclenché le manque. Qu'est-ce qui déclenche le manque? L'éloignement de la source. Et c'est ce qui fait, à partir du moment où je veux bien, où je décide d'enclencher ce processus, encore une fois, ce n'est pas automatique, lorsque je décide de revoir le passé avec cette grille de lecture, avec cette paire de lunettes, et dire, c'est pas, il n'y a pas de fatalité dans ce qui s'est passé. J'ai 2 solutions. Soit je laisse le passé comme il est, et c'était un moment négatif, soit je m'en sers pour qu'aujourd'hui il y ait plus de positif et l'élément du passé devient les préparatifs qui m'ont emmené vers ce moment plus grand, plus fort, plus positif d'aujourd'hui. Et c'est ça la force de la teshuvah. Il nous faut la conclusion de la lettre du rabbi de tout à l'heure à cette femme qui disait « Je suis triste parce que je pense que c'est trop tard. » Donc je disais la première partie, c'est « Depuis quand la tristesse, une autre bêtise peut-elle ? Comment est-ce qu'on peut espérer qu'elle va enlever la bêtise précédente ?» Mais le deuxième élément, c'est que c'est jamais perdu. Au moment où tu prends conscience que ce que tu étais, la personne que tu étais lorsque tu as fait l'action qui aujourd'hui, tu prends conscience qu'elle était négative. Mais la personne que tu étais à ce moment-là n'avait pas cette conscience. Maintenant, tu l'as. Dès lors que tu t'engages aujourd'hui à développer davantage de lumière autour de la zone d'obscurité dans laquelle tu étais dans le passé, c'est la réparation. Cet enfant est né peut-être, mais l'action, l'impact que tu peux avoir autour de la mitzvah que tu as manqué à l'époque, c'est utiliser. Admettons, je donne 1 heure de cours sur un sujet sur lequel hier j'ai fait une bêtise. Cette heure de cours n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette bêtise d'hier qui a déclenché cette prise de conscience pour cette lumière supplémentaire. Soit je regarde l'obscurité comme de l'obscurité et c'est tout, soit j'utilise cette obscurité pour ajouter davantage de lumière aujourd'hui et d'un coup, ce n'est plus de l'obscurité. C'est le point de départ de la lumière supplémentaire d'aujourd'hui. Et c'est ça, cette teshuvah, c'est le regard qu'on peut s'inviter à apporter. Je vais écouter la question si elle est toujours présente et ensuite terminer sur une petite histoire et on sera dans le timing. Allez-y. Et si on reproduit la même erreur? On n'a pas encore fait teshuvah. Ou alors on a fait teshuvah et on va retomber et refaire teshuvah. C'est-à-dire que reproduire la même erreur, c'est qu'on est encore sur le chemin. Bienvenue au fait, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on est un être humain. C'est déjà un point de départ. On sait qu'on reste être humain. C'est un peu la vie de tous les jours, de presque tout le monde. La seule chose, c'est de faire en sorte qu'on essaye, au fur et à mesure, le principe, le travail de la teshuvah, que petit à petit, soit on ne fasse plus exactement les mêmes erreurs, on évolue, on n'est pas à l'abri de faire d'autres erreurs, mais qu'on travaille, qu'on s'investisse pour faire au minimum cesser l'erreur, pour ensuite faire jaillir davantage de lumière. Mais la fatalité, encore une fois, si je m'arrête simplement sur le fait que j'ai recommencé, et que je reste encore une fois dans ces remords ou dans cette tristesse, je ne vais pas avancer. Le cours d'aujourd'hui, c'est une invitation à se dire, peu importe les erreurs, transformons-les en tremplin, en moteur pour que demain ce soit plus grand. Il nous reste 3 minutes pour rester dans le timing. Évidemment, je ne peux pas me permettre de déborder. Je vais terminer sur cette histoire que j'ai racontée un Shabbat matin, dans le discours du Shabbat, il y a probablement quelques années, au moment où j'avais lu cette histoire.
C'est l'illustration de cette idée dans le concret. Ça se passe à Vienne, le Rav Biedermann, qui est représentant de la représentant du Rabbi et des actions Lubavitch sur Vienne. Un jour, il manque de place dans son école juive. Et il veut créer une école, il a du mal, il ne sait pas comment faire. Et puis à un moment donné, il rencontre un juif américain qui est ambassadeur des États-Unis, je crois, là-bas, qui s'appelait Ronan Lauder, qui va accepter, pour faire court, qui va accepter de financer un complexe important pour que tout juif puisse avoir accès à une éducation juive là-bas à Vienne. C'est important pour lui, à une seule condition, que ce soit dans un endroit central dans la ville. Qu'on ne puisse pas passer à côté, que n'importe quel touriste puisse voir, que ce soit au centre. Et donc, le Rav se met à la recherche, puis à un moment donné, il met des gens dessus, puis on reçoit l'information de la mairie qu'il y avait un endroit, un parc vraiment central, un parc qui un jour était la propriété des Juifs, qui malheureusement, il y avait des enfants juifs dedans qui ont été tués pendant la Shoah avec la destruction de ce lieu-là. Aujourd'hui, c'est un parc tout court, mais un jour, c'était un lieu qui était habité par des enfants juifs. Et donc, quoi de mieux de pouvoir installer une école juive là-bas. Le projet est lancé, l'architecte est retrouvé, enfin, on va faire quelque chose de beau. Et puis, à ce moment-là, il y a un énorme veto, un énorme blocage qui intervient au travers de la presse et des écolos, enfin, qui tapent très fort. Puis, il y a une forme d'antisémitisme qui va s'habiller ensuite en écologie. Comment prendre un parc et l'habiter, le construire avec du béton et des gens, des voitures qui vont venir, des enfants qui vont être déposés, c'est pas possible, etc. Et pendant, le projet est menacé de disparaître à ce moment-là. Et le Rav Biedermann écrit au Rabbi à un moment donné pour demander une bracha. Il est dans cette situation, il y avait tout pour, il a le financement, il a l'emplacement, et puis tout est bloqué, c'est fini, il n'y a aucune chance, il n'y a plus aucune chance qu'il puisse avoir son permis, la possibilité de construire, puisque avec toutes les commissions qui doivent passer par le dossier, et avec tout le scandale qu'il y a en ville, les pétitions qui sont signées, etc., il n'a plus aucune chance et donc il ne sait plus quoi faire. Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un homme actif dans une association anti-racisme qui lui dit j'ai devant moi une personne âgée qui voudrait vous rencontrer, que je voudrais vous présenter. Il présente cette personne, un non-juif qui est responsable, qui possède le média le plus important de Vienne, qui est élu par la moitié des Viennois tous les jours. Et l'homme dit voilà, je suis maintenant avancé dans ma vie et je voudrais réparer. Lorsque c'était la guerre, plus jeune, avec mon père qui détenait le journal, je crois que c'était le père, on a œuvré pour la propagande, pour justement détruire, enfin salir et développer l'antisémitisme, salir le juif, développer l'antisémitisme. Et je veux pas quitter cette terre sans réparer. Auriez-vous une idée, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? La première idée qui lui vient à l'esprit, c'est de proposer de rétablir les vérités sur le conflit en Israël. Arrêter de taper sur Israël, regarder un peu, donner des faits plus ou moins un peu plus justes, un peu plus objectifs. Un peu plus d'objectif. Et finalement, c'est ce qu'il fait pendant une semaine. Il revient après, il dit non, ça ne suffit pas. Je fais quelque chose de plus fort. C'est ici que j'ai touché les Juifs vivant à Vienne. Je veux faire quelque chose pour réparer, pour rétablir cela. Et là, il pense à cette idée. Il lui dit voilà ce qui s'est passé. On a un projet, une école, etc. Il commence à lui décrire la situation. Il n'a pas le temps de finir que l'homme s'en va. Il lui dit c'est bon. Le lendemain matin, 5h30, il reçoit devant sa porte le journal le plus lu, le quotidien, avec à la une, quoi de plus beau que des arbres à côté de la vie d'enfant. Le lendemain, on cherche à empêcher les enfants de pouvoir vivre et habiter ou cohabiter avec la nature. Le surlendemain, et jour après jour, un matraquage qui fait que finalement, c'est le maire lui-même qui appelle le rabbin et qui dit, au fait, on n'a plus entendu parler de vous, qu'est-ce qui se passe? Et bien, au Hachem, la fin de l'histoire, c'est que le bâtiment a vu le jour, le projet a existé. Cette notion, encore une fois, on ne parle pas de teshuvah juive, là, je parle d'un être humain tout court qui prend conscience que si j'ai investi dans le négatif, il faut que je puisse utiliser le moyen que j'ai tordu, que j'ai abusé, finalement. Utiliser peut-être cette même opportunité, enfin, ce même élément comme une opportunité pour ajouter, pour réparer. C'est une forme d'illustration, encore une fois, et c'est ce que je nous souhaite de pouvoir... avoir cette conscience présente à l'esprit que peu importe ce qui s'est passé, ne pas voir ça comme une fatalité, mais comme un tremplin, comme une opportunité pour justement faire encore plus, faire mieux, justement parce que je me suis éloigné, parce que j'ai fait moins. Et à ce moment-là, je redéfinis le passé et je redéfinis en positif. Shana Tova à tous, un très bon Kippour. On se donne rendez-vous dans longtemps, puisque la prochaine, semaine prochaine, c'est Sukkot, après c'est Simchat Torah. Donc, on va se retrouver probablement pas le lendemain de Simchat Torah, mais celui d'après. Donc, il y a peut-être trois semaines à peu près. Je vous souhaite encore une fois un très beau Kippour et une très très belle année.